Alors là, on est en train de tout préparer parce que Manon a faim. Il est 7h du matin. Devant ça va Marion, tu es arrivée en retard, c'était bien. Oui. Et toi? Je vais très bien. On a une noire avec nous. Bonjour, sinon c'est moi. Je rigole. En plus c'est faux, je l'aime pas. Moi je vois Zemmour sinon. Non, je rigole. C'était une blague. A tout de suite les copains. Je suis une grande cookie. Mia. Ah bah attends, je crois qu'on est dans la révélation. Alors moi les amis, j'ai pris une salade à l'avocat. Miam, ça a l'air bon. J'ai pris des triangles au thon. Parce que les triangles, on mange tous des triangles. C'est d'accord. Bon les triangles. On est d'accord. Moi j'adore. Regarde comment elles sont géantes. Ah oui. Ah bah c'est... Mais je vais pas manger les trois. Passionné par ces clémentines. J'adore le Louen. Moi je suis partie à Paris juste pour bien manger en fait. Et elle a le seum parce qu'elle ouvre les cassoulets à la moule. Oh ouais, c'est ouf. Refais ta blague. T'es pas net, Baptiste. Parce que la caméra était pas nette. On l'appelle regardez, Baptiste. Regardez, regardez. On l'appelle Baptiste. Je suis pas net, Baptiste. Je désespère des fois. Programme de la journée, on est où là? Non, on est où non, les gars? Ça va là-bas, là. Elle a Mayenne. On va faire des musées, on va faire quoi déjà? On va bah, faire le Louvre. D'art décoratif, le Louvre là. Mais nous par le nom, par le centre Pompidou. Notre présentatrice se rappelle. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oh my god! Ah non! On loupe le train! On a loupé le train! Je ne sais pas ce qu'on fout là. Qu'est-ce qu'on fout là? Elle a perdu son bonnet, elle a trop le seum. Donc là on est face à des colonnes et on est censé être subjugué. Mais du coup comme je comprends pas, bah on va partir hein, je crois. J'ai une question. Est-ce que si on marche sur une colonne, on est des hors la loi? Mais non, vas-y. Je sais pas. Là, t'es monté. Non ça va, je me sens bien. Hein. Y'a la police, cours! J'ai un poule qui avait cours. Qu'est-ce qu'on fout là? C'était gratuit, on est venu. C'est vraiment vrai. Nous sommes dans un lieu magnifique. Il y a un problème de... Voici une magnifique fontaine vide. Waouh, j'adore. Ce patrimoine culturel est incroyable. J'adore le concept. En fait, on vient de découvrir qu'on est au Louvre. On va regarder la Joconde. C'est tout ce qui nous importe. Moi, je sais même pas ce qu'on doit faire. Moi non plus. Vas-y, embrasse-le. Les handicaps. Ok, changement de programme. On n'est pas du tout au Louvre. On ne va pas au Louvre. J'ai trop faim, ça sent la nourriture. On va où? On va à l'art décoratif de Paris. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu les vois, ils sont complètement défoncés. C'est pathétique. Ah ouais? Ah oui, c'est pathétique. Complètement défoncé. Des pigeons parisiens. Ils faisaient la queue leu. Il y a la tour Eiffel, ouais. J'arrive, j'arrive. Nous sommes entrés. On est où? Enfin, des arts décoratifs. Voilà, j'espère que ça va être passionnant. 12 seconds later. Alors en fait, on n'a pas commencé l'expo qu'on est déjà perdu. Et on a perdu 2 profs sur 3 et on a gardé celle qui ne connaît pas le musée. Voilà, ça n'a pas commencé, on est déjà perdu. J'ai faim. Ah, moi aussi j'ai trop la dalle. Mais on va trop la dalle. On va mal là à côté. Mais moi je suis on fera une vidéo. Non, on va faire une vidéo. Ah, j'aurais fait des vues, merde. Attends, je recommence. Bon. Après combien de temps? Après au moins une demi-heure de recherche? Oui, nous avons trouvé l'or. On a retrouvé, oui, on a trouvé l'or, mais pas que, notre professeur. Et ça, c'est important. Regardez ce qu'il y a en robe, la dame, elle a pas de culotte. Tout quitter pour m'asseoir sur cette pièce. En fait, on est là, mais ça ne nous sert pas, c'est pour les autres. On attend du coup. J'ai très faim. T'as faim? Oui. Là, on mange juste en face du Louvre. Il fait froid. Et clairement, ouais, il fait trop froid. Regarde, là, on est tous en PLS, frère. On a 1 heure de temps pour manger. Et ce soir, on a un train d'annuler. Donc, on rentre en car. C'est trop bien, j'adore. Par contre, le mélange de pigeons et de gosses... Mauvaise idée, quoi. Pas dingue. On se demande certainement qu'est-ce qu'il y a dans... Des gens. Non, mais sinon, tu rentres.
Ils n'ont plus de tête. C'est dégueu. Ils sont tête. On a peur. Oui. À l'aide. Pouette, pouette. Aïe. Vas-y, je te suis. Fais un plan stylé, je vais mettre un ralenti. Clairement assis comme des clochards. On est en train d'attendre les points. Je sais pas ce qu'on attend, mais dans 3 heures, on prend le train pour rentrer. Nous, on va manger notre McDo. Ouais. Ouais, c'est clair. On avait un plan, c'est d'aller manger au McDo. Oh, c'est le coup dans la caméra. Bah ouais, mais on n'aura pas le temps. Dans 3 heures, on prend le train. Bon, bah là, les gens, on est arrivés au Pompidou. C'est un peu long en vrai la journée. On aurait préféré ne pas faire d'autres musées, tu vois, et avoir du temps libre. Aller dormir. Et aller au McDo par exemple. Et comment ils s'appellent tes abonnés Ah, il faut leur donner un nom. Tu veux les appeler comment La Manou. Les PZH. Les Vink, les petits présets. Les présets. On fait une scène où genre. Les présets. Ah non, on fait une scène où genre tu filmes et moi j'arrive en mode je peux avoir un autographe et tout. Ah ouais, vas-y, pars. Viens. Vas-y, donc là, voilà. Mais je te connais. Manou, mais non, quelque chose, Manou. Qu'est-ce que tu veux avoir une photo, s'il te plaît. S'il te plaît, mais je t'aime. Écoutez-moi. Je te t'aime, mais c'est à vous, s'il te plaît. S'il te plaît, pas te caresser les cheveux. Tout ça pour dire que si vous étiez vraiment des abonnés, vous m'appellerez. Vous ne m'appellerez pas c'est Manon. Qui t'a appelé Manon. Ah, mais je te connais, là. Mais non, oh my god! Je suis ton plus grand fan! Eh, vous êtes insupportable! On vient d'entrer dans le Pompidou! On va rentrer dans le truc, la chenille! Je sais pas ce que c'est. Mais si! Oh, mais il fait froid! On va prendre des escaliers! On est hype par le concept en fait! Oh putain! Ils ont mis les LED rouges! Oh, ça fait good! Chaleur! One eternity later. Ça va toi? Oui! Toi aussi, on s'embrasse! Bah non, je vais te démonétiser. Il y a la tour Eiffel. Waouh, c'est magnifique. Quelles sont tes impressions Anne-Marie sur cet escalator? Je trouve que la vue est juste magnifique. Je suis d'accord, ça mérite une danse. Elle veut passer en dessous. Elle veut faire sa tag. Oh, appelle la police. C'est pas ouf. Ouais, attends. Alors là les amis, on est à Pompidou, on a 3 quarts d'heure devant nous, mais on se fait chier. On attend le McDo en fait. En fait perso je pensais rencontrer mon âme sœur. Non? Ah, Kobalade. Bilal Hassani. Oui. Mon âme sœur. Ah, mais il est gay? Oui, je suis gay. C'est encore moi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vas-y, saute en demi-tour. Oh, je suis déçue. Je voulais que tu tombes pour faire plus de vues. Tombe. Ok, c'est la course contre la montre. On a un métro, on a quoi? On a un train. La prof elle court. On a marché toute la journée, on est fatigué. Mais faut qu'on court. On n'a jamais couru aussi vite de notre vie. Même en sport, on s'est pas autant donné. On a couru pendant combien de temps sans s'arrêter? Au moins une demi-heure. Putain, qui nous a foutu des boulets pareils. Update, on finit tous en débardeur parce qu'on a trop chaud, on n'a jamais autant fait notre vie. On est parti sans la prof. Non, mais il nous manque une prof, on est parti sans elle. Genre là, le train, il bouge alors qu'elle n'a pas de téléphone. On l'a oublié, enfin, on a fait exprès, et on est parti sans elle. Je culpabilise. Bon, les gars, je viens tout juste de rentrer dans ma caisse là. Eh, faut que je vous raconte. Je ne sais pas où je me suis arrêtée dans mon vlog, mais la vie de ma mère, c'était une journée incroyable. Il s'est passé trop de retournements. Moi qui voulais faire des vues, ça va marcher. Entre on oublie la prof, je ne comprenais plus rien à la fin. Il s'est passé des trucs de ouf. Et après, il s'est passé des trucs en privé. Toi-même, tu sais, Nono. Bref, moi, j'ai éteint ma caméra pour ce soir. C'était une journée épuisante. Regardez, j'arrive même plus à parler tellement je suis essoufflée, tellement c'était dur. Et moi, je vous retrouve, je pense, pour faire l'outro demain. Je vais dormir parce que là, je suis exténuée. Allez, ciao, ciao. So bright, it's hard to breathe, but that's alright.